Ouais. Ouais, tu m'entends? Ouais. T'es où? Ah putain. Allô? Ouais, tu m'entends? Il a raccroché. Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est moi qui... Ouais, tu t'étais mute. Ouais, enfin bref. Ah bah T'es où là? bravo. Toujours devant le tequila là. Je suis à Le gars l'hôpital. m'a laissé rentrer, j'ai démouetté leur chiotte. Ah. Vas-y, à toutes. Faire le téléphone à la cour. Faut cliquer en bas sur l'hôtel. Et après, tu cliques sur l'appel en haut. Et ouais, mais c'est vraiment chiant parce qu'en plus, je viens d'avoir une notification. J'ai installé Steam sur mon stel et j'ai une notification Steam, et du coup, je pouvais pas. Vas-y, Ouais, bah pas ouais. passer. C'est vrai que c'est un peu une galère ce hôtel, hein, putain. Ouais, bon, franchement, ouais. Ouais. Oh putain! C'est toi qui as fait ça? Tu m'entends? Ouais. Et toi, tu. Ah, yes! Ouais, t'as décroché direct! Mais j'ai rien fait, moi! Ouais, mais j'ai appelé en vocal! C'est pour ça que j'ai cru que ça avait bugué! Mais du coup, comment on En fait pour. vidéo! Comment on fait pour tourner la caméra ou quoi? Regarde, t'as un tab en haut à gauche du téléphone! Non, j'ai rien. En faisant le tab, ça marche pas, non? Non, ouais, mais je peux Si, tourner. regarde, ouais! Ouais, mais je peux. Ouais, ok. Ah, mais je voulais dire montrer ce qu'il y a devant moi, tu vois. Ah, on va avoir ça. Non, mais tu vas où, l'hôpital est de l'autre côté? Derrière toi? Ah oui, c'est vrai, il est là-bas. Bon, bah, je fais Suis demi-tour, hein. juste à De toute façon, côté de je peux pas toi, en marcher. Non, je suis teubé, sinon je me casse la gueule pendant que je fais une vidéo. fait. Si, j'arrive. Putain, là, par contre, la visio, elle marche super. Incroyable. C'est lui qui arrive en courant là-bas. Maman le balleur. Quel mal à fusée. Pourquoi? Ah, il est propre, non? Ah, il est propre. Ouais. Je sais pas si le conseil s'il est ouvert. De toute façon, j'ai pas assez. Mais T'inquiète, si, non, mais gros, je vais t'avancer un camtar, un petit truc. Parce que sinon, ça va être une galère. Et je vu que pourrais tu aller veux travailler. pas que je te prête un véhicule, bah, je vais t'avancer un camtar et tu me le rembourseras plus tard, quand tu Bah, c'est pourras, tu vois. mieux. Tu penses que tu veux un petit truc. Ça va t'arranger, quoi. Attends. Bon, un truc pas cher et qui contient, et voilà. Bah, vu que j'ai de la caillasse un peu, autant en profiter, quoi. Attends, je vais le job de train là d'intérim, leur dire d'aller se faire enculer. Hein, j'irai jamais. Peut-être un jour, mais. Bah, ouais. Bon, honnêtement, j'ai jamais fait ça. Je Ah, mais préfère. en attendant, moi j'ai pas. Je touche pas mon chômage, hein, du coup. Je préférerais aller au tabac, perso. Bon, moi je pourrais avoir le chômage, tu vois. Si je les envoie chier, là je suis intérimaire. Ouais, faut que tu bosses pour. Pour avoir des sous. Ah bon, pour ce que ça touche au chômage, c'est vraiment ridicule, quoi. Voilà, et c'est un abandon de poste. Ah, c'est beau la technologie. Excellent. Je peux même abandonner le fait que je sois au chômage. Qu'est-ce qui se passe si j'abandonne mon poste de chômeur? Je deviens Ah SDF? bah, je crois que tu y es déjà pour commencer, et moi aussi. Malgré que j'ai des voitures et tout, mais je suis Je suis pas. en freelance. T'es en freelance, excellent. J'ai pu commencer à travailler en tant que freelancer, c'est pas mal. On dirait que je suis un 4x4. De quoi?
Ils m'ont dit, genre, j'ai pu commencer à travailler en tant que freelancer. On dirait que je suis en 4x4. Ah oui, ouais. Excellent. Ah bah, je peux plus. Et ils m'ont viré. Ah, ils ont cramé que j'ai essayé de douler, j'essayais de douiller la carte. Excellent. Des hackers en ville, quoi, hein. J'ai vu les news. Ah, j'ai pas regardé. Mais ouais, je suis quoi, ah, ça date de mardi. Ah, ça, ouais, j'ai vu qu'on peut pirater des trucs. Ça, c'était vrai. Mardi, ouais, ils ont piraté la ville. Mais ça date, ça. Bah, mardi, ça dit sur le. Après, attends, j'ai vu la date exacte. Ouais, mais Weather News, il me gratte les couilles, mardi 2 avril. Non, non, mais il faut regarder sur l'intranet de ville. Ah, sur le téléphone, il est pas à jour, ok. C'est ça. Ah, mais ce qui est chiant, l'intranet, j'ai du mal à y accéder sans que ça me fasse mal à la tête. Téléphone? Non, l'intranet de la ville, si je vais ouais, sur mais, bah, de la ville... Ton téléphone bah, je... Ouais, ouais, je suis obligé de mettre des oreillettes, sinon ça me perturbe et du coup je t'entends plus. Donc, un peu non, chiant. Mais ouais. J'entends plus ce qui se passe autour de moi dès que je vais sur internet. Non, mais je disais, tu regardes sur ton téléphone. Internet de la ville. Ah oui, bah oui, je suis. Bah oui. Je te parle pas de. Ouais, je regardais en mode sourd avec les oreillettes et tout. Mais oui, je peux faire. Non, je prends pas ça, je prends pas ça. Bah oui, oui je prends mon tel. What the fuck? C'est bon. Je sais pas s'ils sont là. Ouais, ouais, vas-y, handicapé, t'inquiète, avec moi ça passe. Quel con. Du coup, vas-y, go. Et bon, la ceinture, hein, je crois que ça elle sera en bonus. Hein. Et un jour je meurs, tu sais pourquoi. Ouais. Le mec, j'ai rentré par les portes de derrière, quoi. T'as vu ça? Ouais. C'est dans ce garage. Ah, faut bien qu'il les rentre et qu'il les sorte, les bagnoles. Par devant, il peut pas, hein. C'est ça. Du coup, bah, attends, mais. Où est-ce qu'il se. Bonjour, monsieur, c'est vous qui auriez un petit catalogue? Non, non, il s'est fallu. Mais attends, il était là. Oh wow! Ah oui, oui, attention, il range tes voitures. Bonjour madame. Comment tu vas? Tu vas bien? Bien, toi? Très bien. Je t'entends pas. T'as dit quoi? Est-ce que comme ça tu m'entends bien? Là ouais ouais. Tu me disais quoi? Je disais non parce que je me suis mal pris pour ranger la voiture, du coup là faut que je reparte et que je revienne pour qu'elle soit levée quand je rentre, parce que quand elle est baissée, elle tourne pas. Et il faut que je sois pile poil dans l'axe de la porte pour la rentrer. Tu m'occupes de toi et je la rentrerai après. Je peux t'aider en quoi? Mon collègue il veut prendre un petit truc. Mais je vais lui payer, tu vois, parce qu'il a pas de thune, il vient d'arriver en ville. Et vu que c'est une galère pour faire de la thune en ville, je vais lui payer un petit truc vite fait et puis me rembourser plus tard, tu vois. Okay. Un petit camion, tu sais, un truc. Un camion, tu vois, un petit camion. Faut qu'il puisse bosser tranquille, tu vois. Bah, comme le tien là que t'avais là. Ouais, ils sont à combien ici? Je crois que c'est. Attends, on va voir ça dans le bureau, tu vois. Parce que dans le nord, en fait, ils sont à 17 000. Je crois que c'est 15 000. Ici? Ok, bah c'est parfait. Je sais plus c'est quoi le nom du véhicule. Je l'avais en tête, mais je l'ai plus. Ici, c'est bon, je sais. C'est l'agence touristique, comme disait un des bikers. Bah, du coup, le burrito custom, lui, est à 15 000. Toc, toc, excusez-moi, je feuillais le catalogue. Bonjour, monsieur. Bah, c'est celui-là. Bonjour, bonjour. Eh bah.
On en a un stock. Le même camion que j'ai là. Ouais, c'est ça. 15 000 et on en a en stock. Ok, ok. Direct, bah en gros... Monsieur, toi quoi? Comment? Tu entends monsieur? Ah, mais attends, attends. Ah. Bouge pas, 30 secondes. Le chat désactive la voix. Excusez-moi, j'avais un peu de chant d'oreille. Ah, ça arrive, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, oh, quelle belle voix, ça fait du bien. Je me... bah, j'ai cru que je devenais fou. Non, c'est normal, ça arrive. Tu disais, Nas? Ouais, bah du coup, je vais te prendre... Tu vois le camion que j'ai, le petit camion rouge? Oui. Non, mais je parlais à mon pote, mais je sais pas s'il si oui. Réagit. Ouais, oui, c'est pour ça que j'y réagis. D'accord, je savais pas, oui, c'est pour ça, je savais pas que tu parlais à moi. Ah, pardon. Bah, je vais te prendre, je vais te payer ce camion. Ça, ça. Oh, mais c'est adorable. Il est à combien ce camion? Parce que si on peut prendre un truc beaucoup moins cher, avec moins de stock, et comme ça, j'ai en pas à faire crédit pendant 2 mois. Moins de stock? Comment ça, moins de stock? Qu'est-ce que tu veux dire, moins de stock? Bah, les vannes, c'est un truc qui a quand même beaucoup de stock. C'est des trucs moins chers. Mais grâce à ce van, t'arriveras à le rembourser beaucoup plus vite. Ouais, ouais, crois-moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est seulement 15 000 $ un van. Et il est bien celui-là. Ouais, oh, je vais faire assez vite les 15 000 $. J'ai vu déjà avec le bric-à-brac qu'on a ramené au pawn shop tout à l'heure. C'est quoi, j'ai reçu sur mon téléphone? En plus, c'est bon, je suis de nouveau chômeur. 50 $ par-ci par-là. Youhou! Excellent. Oh bah, conducteur de train, je me suis jamais pointé, ils m'ont pas filé un billet. Oh bah c'est normal, si vous travaillez pas. Oui, mais est-ce que j'ai une tronche de conducteur de train? Ah mais c'est ça. Oui, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de tronche de conducteur de train. C'est rare que je voyage un chauffeur de train, alors je sais pas à quoi une petite salopette et une calotte en jean, là peut-être que ça changerait. Mais je pense que les trains aujourd'hui ne sont plus au charbon. Alors, oui, oui, c'est de mettre cette tenue, ça c'est un peu. C'est vrai que c'est dommage, on a perdu un peu de. Un peu de. Charme. Ok, pardon, je suis en train de foutre mon tel en sourdine. Tu te fais harceler? Ou alors, il y avait une notification du social, je m'en tape. C'est un tombeur. Non, c'est. Il les attire. Arrête. Pour le véhicule, si tu veux, il y a un ATM dehors si tu veux lui donner l'argent. Ouais, du coup, c'est 15 000 de tout pile. 14 999. Ouais, bah je lui fais 15 000 quoi, attends. J'arrive. C'est pour ça, je pense pas que t'étais à 1 $ près. Bah attends, je vais lui faire un virement par téléphone. Ah bah oui, au pire. Au pire, c'est plus simple. Attends, bouge pas. Ah, j'ai la technologie comme tu disais tout à l'heure. Je te filerai 7 000, vas-y, pour les intérêts. Mais arrête, gros. Bah, trop tard, regarde, regarde, monsieur, vous voyez ce papier? Excusez-moi, je vous prends un stylo, voilà, c'est signé. Et en plus, il y a un témoin, voilà. Non, mais. C'est chez le notaire du custom. Et c'est le notaire, de notaire monsieur, 10%. Monsieur Jawbreaker. Voilà. Ah, bah non, d'accord. Bah, pas un notaire. Je donnerai 10% au notaire plus tard. Salaud. Alors, attends. Comment on fait déjà? Ah, oui, si. 10% de frais notarial sur 14 000 euros, ça va, le notaire fait pas fortune. Là. C'est 15 000 euros. Du coup, bah 1 500 quoi que je prends. Ça, ça c'est une petite com. Hein. En plus, le coup sur un bien immobilier pour le coup. Là. Ou sur une vraie grosse voiture. Tiens, voilà, t'as dû recevoir. Donc, faudrait que t'ailles voir sur ton compte en banque. Non, pas oh, sur... j'ai jamais été aussi riche, magnifique. Bah voilà. C'est le début. Oh là là. Vas-y, bah, je vais vous laisser faire. Je vais acheter un carton de luxe pour dormir ce soir. Du coup, le véhicule est déjà en stock. C'est la secrétaire du coup qui s'occupe des papiers. Okay. Tout ce qui est administratif, c'est elle qui fait directement et qui vous les envoie plus tard. Ça au moins, vous n'avez pas le problème. Donc je vais au bureau là-bas pour tout remplir le dossier et tout. Elle va vous montrer le catalogue. Vous choisissez du coup le véhicule qui est le Boruto Custom. Il est noir avec des bandes rouges sur les côtés. D'accord. Et il a des petits designs avec des Rasengan et tout là. Non. Ah non, non, c'est... Ah, c'est même pas de ponceau. Oh.
Et bah, du coup, vous choisissez la couleur et vous pouvez l'acheter. Vous allez sortir par derrière le magasin, en sachant que d'accord. sur la sortie, il y a un garage. Stockez-le dedans et on appelle le monsieur déjà. Le monsieur qui est avec Alfred. Son carnet là. Alfred. Alfred, on va dire. Le monsieur Alfred. Avec son carnet qui est là-bas. Alfred, on va dire, du coup, lui va prendre le numéro de votre plaque, le numéro de châssis, et vous donner la double de clé qui vous sera utile. Voilà. Oh, bah, magnifique. Voilà, voilà. Bah, je vais les voir de sympa, bah, merci beaucoup, monsieur. Et te trompe pas de garage, parce que sinon tu vas dans ton véhicule. Oui, bah oui, ouais, t'inquiète. Ouais, ouais. La porte du garage, il y a un logo. Si vous voyez revenir au courant, c'est que j'ai un doute. Ah, putain. Comme ça. Ah, attends, je vais venir. C'est mieux, c'est mieux. Je vais me poser à la sortie. Ça va piquer. Si je la déplaçais pas, il allait sortir du garage. Là, je suis sur toi, quoi. Voilà. Ouais. Bon. Ouais, il va arriver, je sais pas s'il branle. Ah, il est revenu me demander parce qu'il savait plus si c'était le retour normal ou si c'était le custom. Ah, c'est le custom qu'il faut qu'il prenne. Bah oui, c'est plus avantageux pour le prix. Hein. Parce qu'il y a 2 ou 3 000 d'écart. Et pour le prix des custom. Il s'en fout des customs. C'est juste comment il aura un véhicule oui, mais... pour pas les trafés, tu vois, parce que oui, les... Oui, mais les customs qui sont déjà dessus. Oh yes, c'est pas trompé, c'est cool. C'est nickel. Ah, je suis peut-être... Non, ça c'est le rond. Non, c'est pas celui-ci. Non, celui qui est derrière. Ah, d'accord. Attends. Bon, bienvenue. Ce serait pour un double des clés. La TD. Excellent. Pardon. En fait ici c'est pour refourguer le véhicule. Bon bah voilà c'est parfait. Ce qu'on va faire c'est que... Ah j'étais quoi, monsieur me tenait la main, vous voulez plus mâcher. Ouais, c'est chiant. Du coup, attends, faut qu'on aille au garage. Faut que je pose mon véhicule. Et après, faut que tu m'emmènes chercher mon camion. Vas-y, bah, let's go. Comme ça, tu veux. Bonjour, même. Alors, par contre, il y a un délire, c'est que des fois, quand tu sors tes véhicules, Alfred, c'est ton culé, il s'y fait de l'essence. Du coup, t'es obligé de le re-rentrer et de le ressortir. Check. Il a siphonné. Ah, le bâtard. Vas-y, bah, on se rejoint à Bénisse. On se rejoint à Bénisse, vas-y. Vas-y. Tire plus vite. Plus 10 ans. Ah, je veux savoir, Nas. Dis-moi. Pour l'or, là, que tu veux chercher dans la rivière. Ouais. Je sais pas, c'est où ça, moi. Bon, on va y aller, tu veux venir avec nous? Bah oui, je rentre juste mes véhicules alors. Et Vas-y, monte avec moi aussi. Attends.
cramer sans spoiler. Ah, tu vas prendre ton camion? Bah oui, parce que. Non, parce que du coup, ça... là-haut, c'est que de l'or, mais je sais plus si ça prend beaucoup de place. Non, non. Vas-y, ah suis-moi. Bah. Suis-moi, viens. Ok, faut acheter. Bon, en fait. Non. Non, ce sera. Bah, viens, suis-moi. Je te suis. Tu iras plus vite, sinon, je vais y arriver. T'es sérieux là? Ah, allô? Ouais, il faut juste que je passe à la station à droite là. Bah rejoins-moi au Belize. Ok, ça marche. À toute. Il a dû se faire défoncer à la mine, si possible, pour qu'il demande à venir. Alors. Oh putain. Ça, c'était juste. Je vais laisser ouvert, mais quel con. Attends, pendant que j'y suis. Pique un peu de bouffe. Je vais combien? Oh, ça va, j'en prends juste un. Ça va en prendre plus. J'aimerais bien aussi voir si le cat coffee est lourd. En vrai, je vais appeler, je pourrais peut-être regarder ce truc de merde. Je vais appeler, je pourrais peut-être. Cat coffee. Bon.
Oh, attends, j'ai combien sur moi? 500. Derrière toi. Excellent. Il décroche extrêmement vite. Plus vite que son ombre. Excellent. Et il y a le concierge qui nous rejoint avec son camion. Ah oui, bah avec plaisir. Il va nous suivre. Je reprends mes merdes déjà dans le coffre. En fait, il veut savoir où c'est, il a jamais fait. En fait, il y a plusieurs points où tu peux le faire. C'est juste que les deux premiers. Comment dire? Ils sont sur la route. Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu vois où. Non, c'est pas que c'est dangereux, mais il y a beaucoup de passages. Donc s'il y a des gens qui te captent en passant. Oui, c'est un coup à te faire braquer ou quoi. Bah t'as plus de chance quoi. Alors que au fond, dans la montagne là-bas, c'est tranquille. Oui, après, si on est plusieurs, ça risque rien. Hein. Ah oui, je sais bien, mais même c'est relou. Après, on peut y aller quand même hein, si vous voulez. Moi, je m'en branle. C'est juste que j'aurai pas la place de garer les camions en fait. Le con que tu connais, tu devrais pas le montrer à tout le monde, comme ça t'es pépouze hein, à chaque fois. Mais de toute façon, c'est indiqué sur la carte. Quand t'es dans les voitures, c'est indiqué. Ah, c'est sur le GPS. Ah, bah oui, c'est juste que les gens ils font pas attention. Il y a très peu de choses qui sont pas indiquées. Ah oui, mais après c'est très petit et en plus c'est contre-indicatif, c'est de la vache pire. C'est ça. Mais il y en a deux autres qui sont plus bas vers la ville. Regarde bien. Au niveau de l'université là. L'espèce de route qui remonte vers oui, le vignoble. Ah et même vers le. Ouais, T'en as deux côte à côte. Ouais, je vois vers la station d'épuration aussi. Des petits cercles jaunes de mémoire. Station d'épuration. Ouais là attends. T'as ta vieille montagne. Comment ça? Attends. Où ça? Regarde, monte dans la voiture, monte sur le GPS. Allez! Regarde sur le GPS, ça s'en est un ça? Oh, j'ai une baisse de perf. C'est horrible, c'est dégueulasse. M'entends? Je vois pas ce que tu. Enlève-le! Non, ça n'est pas un, je t'ai dit jaune, pas bleu. Ah, ok, parce que du coup c'était ça. Par contre, attends, je reviens. Je suis tout le temps en train de faire des trucs là, ça nique les perfs en jeu. Voilà.
Je les ai ramenés peut-être à peu près 5000 pierres, alors j'en ai fait des trajets. T'as de l'essence dans le coffre. Non mais c'est pas grave, j'ai pas grave, j'ai emprunté un véhicule à la concession. Oh. Vous allez pas venir avec un véhicule de drift. Voilà, comme neuf, ça vous fera un total de 750$. En plus, tu veux l'échec, tu veux acheter un crédit. Non, c'était. Non, c'est quand il est arrivé. Aïe, t'as cassé ton bip. Tu casses tout, quoi, aujourd'hui. Vas-y, bah, je te laisse me montrer où, hein, je te dis, on va à l'endroit. Non. Où t'as les mains ? Ah oui, il est là-bas. C'est chaud de me mettre un point, parce que je t'avoue, une bonne mémoire. Hein. C'est sûr qu'il y a un moment que je me vois dire. Ah oui, mais même pas que ça, mais il est très bien, il bombarde hein, pour une camionnette. Comment ça fait mieux, j'ai eu un doute. C'est vrai que j'ai pas des freins forts, j'ai un peu un état. Hein. Oui, oui, c'est ce que je disais. Putain, après tu te foutais de moi quoi. Oui, mais tu vois, hein, vas-y. T'arrêtes pas. Tu t'ouvres jusqu'au bassin en fait. Bon après ouais, après, si tu veux rouler vite, c'est pas mon permis. Non. Ouais. J'ai jamais vu quelqu'un rouler doucement encore, hein, donc je suis en vide. Hein. Ouais, pareil. Je fais de la mimique. Hein. Ouais. Ouais, d'accord. Mais en vrai, faut pas prendre l'habitude en vrai. C'est là, c'est à gauche. Ah oui. Bon. Le parking au bout là. Le parking au bout. Ah si bien. Yeah. Ah c'est là. Je peux descendre ? Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon, je suis safe là. En plein milieu de la route, c'est quoi ? Y'a pas de voiture, y'a personne. Je chahi. Alors attends. Ah bah coulant. Oh mon dieu. Ah si, j'ai pas mis de la vie.
dû me voir avoir une D5. Il y en a un qui va se la prendre celle-là. Oh ça va. C'est bon, c'est sûr. J'imagine qu'il suit. Hein. À tous les coups, il y aura déjà du monde sur place.